Yup tout le monde, c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça veut dire qu'un jour dans ta vie t'as eu plus d'abonnés que Squeezie. Pourquoi j'ai toujours une tête de Karen moi? He's so crazy, I love her. Oh, la France, on peut pas le faire, Alex, c'est une certitude absolue. Allez, yeah. Golf. Yo la team! Yo! On est avec Élise de Sang de la Veine, on en a marre du taf, on se barre à Annecy tous les deux, un petit week-end, c'est parti, venez avec nous! Bon, on vous a menti, on est chez Doig, on va bosser. Mais du coup, il joue au foot, donc on va jouer au foot. Go! Ok, nickel, pas d'erreur. Allez, c'est quoi? Allez, on touche pas les coupes, les coupes. Et puis, go! Ça met au milieu, parfait! Du coup, je vous fais une petite présentation. On a fait tout le repérage. Ici, il va avoir la table avec les différentes épreuves. Sur ce mur, il sera avec du rouge, du rose, bien kitsch. Donc là, il va avoir les caméras. C'est là où il va avoir les épreuves plus la dégustation. Et là-bas, du coup, je vais vous filmer un petit peu la cuisine. Il va avoir une équipe à gauche, une équipe à droite. On va filmer d'ici. Repérage fait. Enfin, le repérage avait déjà été fait, en vrai. Donc là, c'était la validation, les caméras, etc. Et du coup, on retourne nos locaux pour bosser sur tout ça. Bisous la team. Boyan, moi, je voulais un kebab à midi. Et normalement, on est censé avoir des kebabs gratuit. Bon les gars, vu que j'ai bossé une semaine, on a obtenu une réduction, donc la semaine prochaine si vous venez, que des kebabs gratuits quoi. Ouais mais on a eu des soucis au taf, j'ai été viré par mon patron quoi. Par le chef, chef que, en gros, trois clients dans la soirée, j'ai oublié de dire chef. Ah. Alors tu veux quoi chef? J'ai juste dit tu veux quoi et du coup ça a pas plu et c'est ciao. Ils t'ont dégagé comme ça. C'est pas bon pour toi. Coup de pied au... C'est pas bon pour vous. Bah du coup les remises c'est mort. Enfin, en fait c'est mort au moment où vous êtes revenu. Steph, on fait comment? J'en ai marre, je voulais un kebab. La seule chose qu'on va devoir faire c'est aller au Japon quoi. Au japonais. T'oublies des nez des fois, c'est parce que j'ai un trop gros nez, du coup tu le laisses tout sur ma visage, c'est ça? Vous voulez que je vous téléporte? Cette fois tu parles pas s'il te plaît Steph. J'ai vraiment reculé. Oh le banger en approche. C'est un coup que vraiment tu restes juste pour la vanne quoi. Juste nous on fait des séquences. Pendant ce temps, Yann au loco à la GECAN. Est-ce que c'est bon pour toi du coup, chef? Bon voilà, on est de retour des Bahamas les gars, vous le voyez, ça rejoue déjà au ping-pong. Tu vas parler de ce qui s'est passé hier, 2-0. Hier Steph il nous a bien dégommé au ping-pong, et là il veut encore asseoir. Ouais non mais je suis perds 4-0 là. Vous savez c'est quoi le dessin animé préféré des Footix? Pablo Escobar Foot? Non. Midi les Zizou. Allez, next one. Bien joué. Attends Yann, je suis imbattable. C'est des pros là. J'ai marché sur tout ma chaise. Tout était parfait, hein. C'est pas mon problème. 2-0. Oh, ce qui t'a mis. 4-2. Ah, ouais, j'ai réunion. Là, désolé Yann, 4-2 pour toi, mais il faut que j'y aille. Bah, vas-y, on va. Oh, il va un streak. Il va 4-3. Détruis sa streak, Yann. Détruis ses rêves. Génial! Vamos! 4-4, un service chacun. Il a gagné! C'est super ça, Yann. Comme tu sais, c'est un super ça. Yann, c'est ça Yann. Allez, faut que je fasse le best-of là. Vas-y, c'est ça Yann. C'est ça. Yann, c'est ça Yann, hein, vas-y. Toi qui fais le montage à ce moment-là. C'est quoi? Oh, oh Andreas! Et que les monteurs. Ok! J'aime bien Andreas, j'aime bien. Et Andreas? Dis ouais. Ouais. Chalors! Bon allez, bisous les zizous. Yo la team! Vous êtes dans mon nez, c'est la nouvelle méta Alex. J'espère que t'as pas de crotte de nez. Ah, dommage. Je pense que si je fais ça, on va aller chuter. Alors, moi non plus. Je vais prendre une inspiration. Tsuki, 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 viens là. Elle a peur, frère. Il y a Tsuki parce que Mel, en fait, quand Hello, même... Hello, guys. Oh, bah t'es là, Mel. Ouais, je peux pas m'empêcher d'être avec vous, en fait. Elle a changé un truc, attention, maintenant, c'est plus regardez Mel, les cheveux. Arrête, hein. C'est plus Mel, trop c'est cassé trop Mel. Tu me gênes, trop Mel. Bon, ma réaction, c'est bizarre. Profitez parce que là, je suis encore Mel. Là, je suis pas encore cassée. Ouais, mais là, il reste plus que 20 minutes, quoi. Bah, vous voulez faire quoi pendant les 20 minutes, du coup? Bah, ouais, c'est trop bien la vie, là.
Non, regardez le vlog, Mel. C'est qui les meilleurs au ping-pong? C'est la K-Corp ou la G-Corp? Franchement, les foudroies. Prochain projet, c'est ça, un duel cassé, GC. Voilà, prochain tournage G-Corp. Après, ça n'a rien à voir, GC est cassé, les gars. D'accord, mais c'est qui les meilleurs? Peu importe, est-ce qu'on les foudroie au ping-pong? Attention, ils sont forts. La question, c'est mais ça. Ils sont trop forts. Et maintenant, je joue pour casser, moi. Mais t'es nul. Ils sont pas les couilles pour casser. C'est un avantage pour moi. Bah, si, t'es nul. Ici, tu bats plus personne. T'es nul. T'es devenu nul. Il y a que Corentin qui t'entraîne plus. Yann, il est largement meilleur. Je vais m'entraîner. Oui, bah, entraîne-toi bien. Ouah, ce que tu viens de dire, moreux. Oh la donne. Alors qu'avant, j'étais full respectée au ping-pong. Bah ouais, parce que Coco, il nous a dit que t'étais forte. Après, on t'a joué. Après, tu t'es pas entraînée. Après, ils t'ont rejoué. T'es éclaté. Genre. C'est la loupe qui. Ah, mais moi, bon, allez, lance le vlog. Moi, j'ai jamais dit que j'étais forte. Mais franchement, j'ai bien fait de me barrer. Ok, lance le vlog, ça va. Écoute. L'annonce, ça sera sur ton téléphone si tu veux. Ici, ça regarde le. Ouais. Ouais, ici, c'est la G-Corp. On adore Kamel du fond du cœur et toute la cassée. Mais... Je suis désolé, hein, ils ont un peu de mal à. Non, ici, c'est une démocratie. Les gars, qu'il y a quand même qui veut voir l'annonce sur la grande télé, lève la main. Qui veut voir le vlog sur la grande télé? Ouais, il y a Evan qui lève la main aussi. Hein. Voilà. Ouais, Evan. Eh oh! Bah alors? C'est moi qui paye tes factures! Oh! T'es encore 10 minutes! Mais Mel! Mel! C'est fini ça! Faut changer de disque maintenant! Ouais, mais on garde un œil sur les sous! Allez, lance le vlog! Il était tellement premier degré celui-là! Allez, après on met l'annonce de Mel à 19h15! Allez, c'est parti! Précédemment, 57. Non, mais c'est quoi cette fois? J'adore! Oh la vache, tu m'entends! Petit délire avec Andreas! C'était juste pour me battre les petits. Oh, le sac à patates. Attends, mais j'ai pas vu. Tu sais qu'avant de sauter, en plus, je me suis dit, faut absolument que je fasse le mec confiant et doux. Pour moi, j'avais claqué un banger. T'es mal le sac de patates. Attention, qui tombe. Le banger en question. T'as même pas décollé. Ça se voit, il aime des gens visibles pas. Je voulais réduire la distance au max. Tu vois, je voulais pas garder. T'as même pas sauté, t'es tombé. Genre. Ah ouais, t'as pas sauté. Attendez, je récupère la caméra. Non, mais tu me fais la caméra parce que là, c'est pas notre moment, c'est le moment d'une seule personne. Je vais chercher mon téléphone pour organiser tout ça. Nouvelle équipe. Ah. Nouvelle équipe. C'est parti. La casser même du coup sur le stream. Oh là 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 là, le chat de Gotha, il est en train de spam. Let's go. Eh, Kassé Tsuki, comment ça va? Ça y est, c'est officiel, il y a plus de retour en arrière, Mel. Tu veux quitter la G-Corp? Allez, salam. Non, tu sais bien, c'est serrer la pince. Yo la team. Bon, lundi matin, vous connaissez, presque midi. Ce soir, c'est Saint-Valentin. Grosse préparation puisque ce n'est pas au loco. On a tout commandé, tout acheté. Là, j'ai été acheté. Dernière petite chose ce matin, on a 3 recettes de malades préparées par Xavier Pincemin, un ancien vainqueur de Top Chef, un petit crack. Ils vont galérer de fou. On va partir bientôt à l'endroit dans les locaux de Douag pour tout préparer pour ce soir. Mais avant tout, j'ai vu une petite dinguerie ce week-end. Je vous la présente tout de suite. Bon, il y a Elise qui regarde sa presta quand on a fait le repérage. J'ai marqué un but ce week-end. Premier match, premier but. Il y a quoi? C'était contre toi. Non, je rigole, elle a mis un but à la Zlatan. Petite question, qui a vu monsieur Alexandre ce week-end sur Twitter? Personne n'a vu son sosie? Moi j'ai pas vu. Ok, bon, on va lui demander de nous le montrer, c'est encore plus drôle. Alex, tu peux nous montrer ton sosie s'il te plaît? Non, parce que Alex est mis à la danse maintenant. On va essayer de faire un duo entre Yann et Alex. Je reçois des sosies de toi aussi. Hein, bon. Attends, mais. Valider, arrêtez. Vous êtes sérieux ou quoi? C'est pour celui du vlog de ce week-end. Ce jour, je suis le nouveau Seb. Tous les jours, je reçois des trucs et la plupart me ressemblent pas. Alex, c'est un short, c'est pas mon ref. N'existait pas, je l'ai vu celui-là. Ok. Vous avez presque le même t-shirt aujourd'hui en plus. Ok, contre ou non? Allez, c'est l'heure de partir au repérage, les gars. 100%, ils me ressemblent zéro. Si, on l'avait laissé. C'est 3 semaines de plus au Bahamas. Je me demandais quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Contre ou non, mon Steph? Non, mais il ressemble pas. Arrête. Regarde les cheveux qui partent comme ça un petit peu là. Non, mais quand même, il faut regarder ça. Le reste. Le nez, ça va pas. Dès qu'il y a un mec avec un peu de joue et de la barbe, c'est moi, ça me fume.
un commentaire soutien là. Steph après le vaccin. Il y a zéro ressemblance les gars. Allez, vous savez quoi, j'annule la soirée de ce soir. Je rentre tout nu sur le plateau ce soir pour tout gâcher. Tu dis ça mais t'as vraiment aucune crédibilité je trouve. Si, je sais où il est le bouton pour éteindre le live. Et après c'est direct FC chômage. C'est oui, un, voilà. T'es un clic, t'es au c'est chômage. Ce que je veux dire. Moi c'était pas par rapport au fait de pas savoir le faire. Mais par contre je pense que la suite elle est pas... Pour combien? J'ai pas envie de prendre de risque pour 3. Ouais. 1, 2, 3, 2. Il ne fera jamais. Ça fait longtemps qu'on fait pas des pour combien qui piquent un petit peu. Pour combien entre Alex et Yann, pour combien le perdant se rase la tête? Faites-le avec Andreas. Moi aussi je me rase la tête. Andreas, ça rime avec Yas. Bahamas. Calvas. Ah, je suis un bâtard, je vais apparaître en slip dans le prochain vlog, c'est sûr. La calvitie te guette, Stéphane, la calvitie. Oui, c'est vrai. Non, moi j'ai les cheveux. Sinon, ce week-end, il y a eu un clip de Corentin qui a dit... Viens, on fera un truc avec Steph, les gars. On lui paiera tout un truc pour faire du saut à l'élastique. S'il saute, il double son salaire. S'il saute pas, il a plus de salaire. Non, c'est mort. Non. Il lui donne le double de son salaire. Mais non, c'est, si je ne le fais pas, je perds mon salaire, je ne pourrai pas sauter. Exactement. Et moi, je veux le faire. Bah ouais. Allez-y, prenez mon salaire. T'as vu comment j'ai bégayé en haut de la falaise? Zéro van de Alex, je pense qu'il peut le confirmer. Il y a eu aucune exagération. On est arrivé en retard pour les cochons ou pas? Ça a duré combien de temps? 8 minutes? Et c'était horrible. Mais en fait, ce qui est horrible, c'est que tout le monde commence à venir et regarder. Et tu sais, dès qu'il y avait un petit qui sautait, genre j'entendais. T'es mal au bout. Par contre, Coco a réacté le vlog, c'était bien marrant. On peut retrouver la vidéo ici ou pas, Alex? Dis-moi. C'est plus à droite. D'ailleurs, merci à tous pour les stats des vlogs Bahamas. Vous avez kiffé les vlogs, c'était une grosse dinguerie. Ça nous donne de la grosse force pour de prochains vlogs. Le Japon. Hein. Je vous Japon, cache pas qu'il y a eu une discussion en plus. Le temps, le Japon, ça se fera pas. Hein. Peut-être, non. Mais on en a discuté hier avec Elise. C'est vrai ou pas? Ça charbonne. En fait, c'est pas. Faut pas charbonner, genre. C'est juste. On charbonne. Mais à un moment donné, on peut pas forcer les gens à nous donner de l'argent en fait. Appelle aux marques là. Bonjour, s'il vous plaît. Je peux pas aller en mode salut, ça va? Tu me donnes 50 000 euros? Non, si, c'est pas comme ça. On va tout faire pour, mais c'est pas gagné. C'est beaucoup d'argent. Quand j'ai sauté, vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit, Steph, il faut absolument pas que tu passes pour un gros sac à patates. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai absolument pas sauté, je me suis laissé tomber. Je voulais gagner chaque centimètre. Je n'ai pas sauté de la falaise, j'ai chuté de la falaise, Elise. En vidéo, ça paraît vraiment pas haut. Je pense qu'on reste au moins 6 secondes dans les airs. Non. Ouais, j'ai peut-être un peu abusé, genre 5. Yann peut te faire un montage 6 secondes, mais si tu veux dans le best-of, je te mettrai dans le falaise. Non, dans le best-of, je refuse que mon saut soit dans le best-of. Le best-of qui sort demain, la séquence après l'outro, c'est Stéphane qui saute d'une falaise super haut. Pendant plus de 6 secondes. Bah, mais c'est nul parce que du coup il n'a rien à monter puisque c'était déjà le cas. J'étais à 10 mètres et j'ai chuté pendant 6 secondes. C'était du temps au best-of. Ok, voilà. D'ailleurs, allez voir les best-of de Yann, ils sont vraiment trop drôles. Les best-of de Coco. Ok, je la refais. Allez voir les best-of montés par Yann de Coco. Alors, la vidéo c'est le best-of de Coco, mais les commentaires c'est les best-of. On fait défiler vite fait les commentaires. Il n'y a pas un truc sur Corentin. Hein. Attendez, est-ce qu'il y a des vidéos où Yann n'est pas top commentaire, s'il vous plaît? Voilà, team Yann. Il n'y a que les soirées du lundi et encore. Autant il y a quelques mois, la team Steph c'était des ultra. C'est fini tout ça, c'est mais fini. Mais là, la team Yann, les gars, c'est un truc de fou. Hein. Même dans le kebab à côté des locaux, le top commentaire sur Google, la vie, c'est pour Yann. Même Yann, il est rentré pour faire la séquence. Le kebab, il a fait « Oh, Yann !» Pour les clés, t'es mon patron. Je suis mort. Bon allez. Nouvelle semaine. Ce soir, Steph et Elise, vous allez faire la cuisine. On va envoyer Sal et on va finir tard. En plus, il y a du beau monde. Il y a qui? Il y a Michou, Valouz, Little Big Whale, Gotaga, Dwagby, Étoile, Xavier Pincemain. Il y a Ziane aussi, il est là. Ouais. Ok. Là, je pense vraiment c'est le moment qu'il faut qu'on coupe la séquence. Vous savez quoi? Je vous épargne ça, les viewers. Bisous à toutes. Bon la team, on est parti. On est équipé. On va récupérer le gros bouquet de fleurs qu'on a acheté et c'est parti. Regardez-moi ce beau bouquet là. On est bien arrivé. On va continuer l'installation. Comme vous pouvez le voir, on a reçu toute la livraison, c'est Xavier du coup qui a géré tous les aliments, les ingrédients, etc. Donc c'est trop cool. Let's go, on va devoir préparer tout ça. J'ai oublié de vous montrer la petite cuisine. Et pendant ce temps, à la G-Corp, je dis ça, je ne sais pas ce qu'ils font, ça se trouve, ils sont en train de se foutre de ma gueule, mais on va bien voir ça. C'est parti. Bon, la team, on ressort l'ancienne cam. Yann a eu une somptueuse idée. Ah, oui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Gotha. Oh, le début de podcast. Je fais des plans différents. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Gotha, il joue à Harry Potter Legacy. Et en gros, lui, il est Gryffondor. Et apparemment, il aime pas les poufsouffles. À votre avis, les membres de la G-Corp, ils sont quoi? On va faire le test. Allez, pensez que Alex, il est quoi? Ouf, souffle. Non, je suis un compteur, mec. C'est quoi le site? Bon, du coup, on fait pas le test. Fin du concept. J'aimerais confirmer. Mais prends le premier. Mais oui, je suis Serpentard, Léa. Je suis Serpentard. Mais ça m'étonne. Je pense, toi, t'aimerais bien, mais je trouve ça colle vraiment pas. Si. Faut arrêter. Un montage maintenant de Alex et Malfoy. Que des rageux, que des rageux. Élie, c'est où le test? Je vais faire un tweet sur le tag comme ça on aura le bon test. C'est quand même cheaté d'avoir 2,5 millions d'abonnés sur Twitter. Tu penses dans la réponse? Tu penses en combien de secondes? Ouais. Moi, je pense vraiment en 15 secondes. Vas-y. J'ai des femmes et tout déjà. Hé, comment ça tu bloques Julien?
Ah, voilà. Nickel. Ouais, 50 000 C'est toi-même qui t'as envoyé un lien. C'est Evan juste à côté, il a envoyé un lien. C'est lui. Oh, elle s'est fait hacker son téléphone. Voilà, envoyé. Elle a pris un cheval de 3. Elle a pris un lien de site de. Et la grosse baguette magique là. Yann va finir ton souffle, je prédis. Ouais, bah c'est bon. Je lui réponds à lui là. C'est qui a dit ça? Ça serait pas Evan? Mais c'est toi? Mais oui, c'est moi. Et tu veux qu'on se règle? Oh, la solidarité des monteurs qui a duré 5 secondes. Et bah toi, t'auras pas de maison. Oh mince. Oh là là. C'est un mode dut, mais moi, je sais pas quelle maison je vais finir. Evan, ça se voit, c'est t'es un serdeg, toi, je pense. Je pense que le monteur, c'est serdeg. Sauf Andreas. Andreas, c'est un. C'est un Gryffondor, lui, ouais, c'est un potard, ouais. Moi, je pense Yann, c'est Serdaigle. Gryffondor ou Serdaigle, ouais. Je suis d'accord, mais plus Serdaigle, en vrai. Moi, j'aurais dit Gryffondor. Alors, Moon of Stars, moi, je suis pas à vous, mais... La lune ou les étoiles? Moi, je prends Moon. Tard la nuit, tu marches tout seul dans la rue. Tu entends un espèce de pleur d'un truc magique. Est-ce que dessine une main... Je comprends. Ça veut dire quoi, ouais. Allez, je vais la faire me traduire. Ok. Le premier c'était Gryffondor. Ça, tu vas voir, c'est Poufsouffle. Le premier c'est vraiment j'y vais, je m'en bats les couilles si j'y vais en mode oh, c'est quoi? Moi j'y vais en prenant mes précautions, tu vois. Oh le Poufsouffle. Qu'est-ce qui est le plus dur à faire avec? La solitude, l'ennui, la faim, être ignoré. Ça, je m'en branle. Là, je dirais l'ennui parce que j'ai toujours besoin de m'occuper le cerveau. Okay. C'est un dégueu. Une fois que tu es mort, ça marche. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens se rappellent quand ils entendent ton je m'en branle de ce que les gens pensent de ce que je suis après que je suis mort. Ça, c'est important, mais tous les jours. C'est ça. C'est maintenant, c'est l'instant présent. C'est ok, Gotaga. La frontière elle est vraiment mince entre Serpentard et Gryffondor. Ouais, c'est vrai, j'ai choisi ton chat maintenant. White Cat, Samus Cat. Oh, bah, ta vie directe. J'avais un Tabby Cat. Ouais. Moi j'ai eu un Tabby Cat et un White Cat comme ça. Moi j'aime trop les chats qui ont pas de poils. C'est moche, le fou. Attention, on dirait des testicules. Qu'est-ce que tu veux apprendre à Harry Potter? Tu veux apprendre des créatures à Harry Potter? C'est pas ça le nom de... Ouais, alors là, tu viens de te perdre une de ces teams. D'Harry Potter, du coup, j'ai jamais vraiment regardé. Avada Kedavra. Non, Kedavra. L'apparition et la disparition, ça, c'est pour les mecs bizarres. Les secrets du château. Est-ce que je suis le grand JD, moi? Ah, tu t'en fiches des secrets du château? Moi, je suis du genre à vouloir être bon partout. Noir ou blanc, bizarre la question. Waouh. Moi, je prends Black, du coup. Pourquoi, du coup, quoi? Oh là là. Oh my god, la décision. Oh, Serpentard. Oh, le Serpentoche. C'est dans ma team, mon pote. Tu n'es pas Serpentard. Si, je suis Serpentard. Coco, lui, il est obligé de tricher pour être Serpentard. Bon, enfin, après, il y a des gens qui le sont, quoi. Bon, ça fait quoi d'être Serpentoche? C'est énorme. Je pourrais faire des sortilèges interdits, c'est ça? Pas spécialement, mais. Ça sert à quoi alors d'être Serpentard? Bah, c'est juste la maison des gens emblématiques, des méchants. Méchants par excellence, quoi. Ah, donc je suis méchant? Tous les méchants étaient Serpentard, pratiquement. Ah, je suis là pour faire couler la G-Corp. Et j'ai le Voldemort, là. Serpentard. C'est qui, lui? Non, je rigole, ça va. Tu me donnerais quoi comme nom si j'étais dans le monde d'Harry Potter? Faut que ça finisse en X? Pas forcément. C'est quoi l'exemple du X, c'est quoi qui se passait par la tête? Yanastasia McGonagall. Et tu serais le fils slash fille cachée de McGonagall. Il paraît que c'est la meuf la plus stylée d'Harry Potter. Yann l'Estrange, ça peut être pas mal. Yann l'Estrange, c'est pas mal aussi. Ah, mais tu dis ça pour les vœux. Je dis que c'est pas mal, c'est un compliment de fou. Regarde, elle est juste là. Regarde, Andreas. Hop, je bouge pas trop mon doigt comme ça, c'est parfait pour toi. Ah, je suis mort. Vas-y, lance-nous un sort typique de Serpentard. Kilaroskidoro. Ça passe à la séquence suivante, regarde. Bon, voilà la team, premier petit atelier prêt. Je trouve ça super beau, super visuel. J'espère que vous allez kiffer. On va aller maintenant installer la petite cuisine. C'est parti. Bon, la team, c'est le multivers là. Je sais pas comment on fait avec les cams. Commence à être plutôt pas mal. Là, il y a les petites tenues de nos petits chefs. On va aller continuer à préparer l'activité cadeau. Et ensuite, l'activité pressage de table. Mais là, pour l'instant, on va aller en régie faire le point sur les assets. Voilà la team. Tuto, vous mettez de l'eau dans le fer à repasser. Vous laissez chauffer. Vous empêchez les enfants d'approcher. Élise, recule, s'il te plaît. On laisse chauffer le fer à repasser. Ensuite, on va repasser à la nappe pour que tout soit nickel ce soir. Chose à ne pas faire, on ne met pas la main pour savoir si c'est chaud. Bon, ça là, t'est déjà arrivé? C'est l'homme à marier, Stéphane. Mais t'as dit de pas mettre la main et tu mets la main. Ouais. Ah, c'est là, ok. Waouh, tu repasses bien. Eh, je veux des critiques. Dites-le dans les commentaires si vous faites bien ou pas. Mais Michou, il fait quoi? Il est parti jouer au foot? Il parle tout seul. Ah oui, salut, ok. Mich. Ça va? Ça vlog là? Et tu me tues comment tu portes la cam? À bout de bras, j'en peux plus. Non, mais ça se voit. Ça se voit, t'as un but de vlog. Fais jamais moi. Question là, c'est le vlog combien? Là, samedi, c'est le 59 qui sort, je crois. Ça veut dire ça fait un an tous les jours, t'as cette cam dans les mains là. Pas moi, mais on est plusieurs. Oh, ok. C'est pas ça moi va. La pire. Hein. T'as dit que Michou était le premier arrivé? Premier arrivé, carrément. C'est improbable. Attends, encore un invité qui arrive avant Corentin. Ça va les frérots? Ouais, ça va. C'est une vraie question. Bon. Ouais. Genre, on a invité sur un live de Gotha, y a pas de Red Bull. Si, y a un frigo Red Bull là à gauche. Ok. Juste derrière. Du coup, ce soir, le live, je vous fais une petite explication. Vous êtes tous les deux contre Little Big Whale et Gotha. C'est un chef cuisinier qui vous a préparé les trois plats avec des petites vidéos TikTok explicatives et tout. Faut plus. C'est un truc un peu compliqué.
T'as pas des petits indices là, c'est quoi genre? Bah ouvre le frigo et regarde les ingrédients qu'il y a si tu veux vite fait. Non mais arrête, viens, on triche pas. C'est pas la triche. Moi j'ai faim. C'est bon, on a gagné. Ça, ah, ça c'est la spécialité de Valouze. Tomahawk de veau. J'ai jamais cuisiné de veau. Vous préparez en fait le repas pour la Saint-Valentin. Du coup c'est Doig et Étoile qui vont le déguster. Étoile il viendra en surprise à la fin, en costard et tout. Il y a deux petites... Non, c'est surtout pour les viewers. Ouais. C'est le couple, en fait. Exactement. Félicitations, vous, je fais pas du bingo. C'est comment? Putain, j'avoue, félicitations. Attends, vous avez pas vu lui? Non, je crois pas. J'ai l'impression que vous voyez tout le temps et tout. Je crois que la dernière fois, trois. T'as dit, la dernière fois, j'ai vu quelqu'un. Non, mais j'ai vu quelqu'un. Ça s'est vu, là, tu sais. Non, mais t'as vu le groupe. Et on cuisine pour qui, là, soir? Ah ah. Ouais, mais eux, ils savent pas, eux. Ah oui, eux, ils savent pas. Eux, ils savent pas, eux. Tu viens de me mentir dans les yeux? Ils savent? De quoi? Qui? Non, eux, ils savent pas, ils savent pas. Non, on sait pas. On sait pas. Et voilà, le Doigos qui vient d'arriver en même temps que Marianne. J'ai dit en live. Moi, je serai seulement le dernier arrivé, mais Doig, c'est sûr, là, on est chez lui. Cette fois, il sera largement là. Il arrive en dernier, ce soir. Non, je pars faire une course. Regardez comment le tablier, il va trop bien, Michou. Tout droit, tout carré. À ce point-là, carrément, t'as sorti la caméra de vlog. Caméra. Je vais faire un shooting photo. Non, ça va vraiment pas. Par exemple, ça me va pas trop, tu vois. S'il est avec la chaîne ou pas. Ouais, de fou. Oh, Dark Mich. Oh, j'ai peur que t'aies des points bonus avec ça. Vous êtes trop beaux tous. Ah ouais, ouais, vraiment. Oh là là, le petit bonnet du chef. Ah, c'était quoi ses yeux, Marianne? Ah, c'est trop moche, on voit à travers. Dès que tu te mets devant la lumière. Ouais, les budgets 2023, les gars, c'est chaud pour la G-Corp. Voilà, on voulait pas vous le dire. Non, mais ça arrive pas vachement. Petit micro et après vous êtes tranquille. Notre guest spécial. Pourquoi t'es si tôt? T'as vu comment dire bonjour à Griffonda? Ils m'ont dit de venir à 19h. Qui t'a dit ça? Non, il était prévenu que c'était à 22h et puis il a voulu venir. Je vais pas venir taire le showcase, genre j'arrive à 22h, je dis bonjour. Une entrée en bombe à 22h là dans le studio. Moi je chill. Tu te rends compte que t'aurais pu faire tellement de parties de Smash Bros? Mais je suis retraité maintenant. Une raise. Je regarde tous vos vlogs, je me bute, ça me régale. Je regarde toutes les rediffs. Bon alors Marianne, qu'est-ce qu'on en pense à quelques minutes de ces débuts de live avec Corentin? J'ai envie d'avoir le même flow. J'espère que en un an depuis sa dernière avec Cam, il a progressé, j'espère. Ouais. Dans quel sens il a progressé? Elle parle dans la communication. Ouais, par exemple. Non, parce que le lever de coude était bien l'année dernière, mais. Ça va être bien, je suis trop contente. Ouais, non, me carrer. Bon, du coup, il y a Xavier, le chef, qui est arrivé. Il est en train de préparer les. Le chef que je vois de ma vie avec le plus de flow. C'est bien, toi. Moi aussi, tu vois qu'elle a fait mouche la chaîne. Mais attends, c'est vraiment. Elle a déjà fait le vlog. Viens, on peut faire un truc pour le vlog. Vas-y. On fait un sondage, on va demander à tout le monde ici là si ça fait chien ou pas. Okay. Est-ce que ça fait chien ou pas? Non. Non, j'ai le même, c'est très. T'as le même? 1-0. Ah, mais il a le même, donc il est obligé de dire ça. Incroyable. J'ai une question. Est-ce que ça fait chien ou pas? Non. Oh là là, 2-0. Honnête? Honnêtement, j'aime bien. Magnifique. Ouais, parce que je te jure qu'on est en train de me dire que. Elliot, le photographe. Elliot! Ouais. Frérot, j'ai une question. Dis-moi. Est-ce que ça fait chien ou pas? Je trouve pas. C'est assumé, c'est ok. Merci. C'est honnête. Non, mais moi je connais, ça fait pas chien. C'est pas comme ça. 4-0 là. Carrément un compliment. Lucas, ça fait chien ou pas? En fait, si tu le mets sur un chien, ça me choque pas. Mais ça fait pas chien. 4-1, 4-1. Ouh là là, 3-2. Toi, tu trouves ça fait chien ou pas? En vrai, non. Tu sais quoi? C'est Coco qui va trancher. Oh bah, on est mal. Gotha, j'ai une question. Sois sincère. Il est pour souffler ou pas? Pardon, je vous ai coupé la tête. Pourquoi c'est toi qui est comme ça? Ah, moi je suis 100% pour souffle. Moi, c'est certain. Inox, non, Inox, tu sais ce qu'il est? Inox, il est Serdek ascendant Serpentin. Serdek? Je te jure qu'il est Serdek. Eh, j'ai une question, ça fait chien ou pas? Attends, ça représente quoi? Dis-nous un peu l'histoire du truc. Ah, c'est un collier que j'ai acheté. Ah, tu l'as acheté toi-même? Parce que par exemple, c'est sa copine qui l'a offert, c'était tu as la prochaine. Ça aurait pas fait chien, sauf que là, c'est moi qui me l'ai acheté, donc c'est il peut y aller. Tu peux prendre des bons toutous, ouais. Tu peux prendre des BT. Regarde la séquence. Steph, ouais. J'ai roi as, très flop. Le mec en face de moi me regarde un peu bizarrement. Ça veut dire qu'il a quoi pour 3 bêtes dans ses dents. 3 bêtes dans ses dents, tu réfléchis pas. Parce qu'il regarde bizarrement et qu'il me. Mais si c'est Doigby, j'ai déjà gagné, je dab. Oh, non, il fait ça avec Dame 6, t'inquiète. Tu verras avec ses grosses lunettes là, de les Carrera tard 2012. Ah, Doigby, mon ref. C'est parti, Doig, les garçons, on s'installe s'il vous plaît. Du coup, tout le monde s'installe, il y a le V qui arrive. Regarde ça, le veau. Pour deux équipes, on va couper les côtes de veau en fait. Une pour deux, ça suffit. On en cuisine que une. Ouais, mais choisissez la plus belle. Et c'est quoi la plus belle? Dis pas. Je t'ai dit, il va essayer de t'avoir à chaque fois. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle soirée du lundi. Oui, je démarre seul cette soirée du lundi, mais ne vous inquiétez pas, tout le monde va me rejoindre dans un instant. C'est histoire de vous présenter un petit peu cette soirée de Saint-Valentine. Oh, y a du stress dans l'air, les gars, là ou quoi là? Il va nous appeler. Coucou. On va accueillir celui qui est à domicile, forcément, il est chez lui. Gotaga est avec nous. C'est parti. Vas-y. Tu vas rentrer avec le flingue? Ça pose problème, non? Je pense que tu peux. Il l'a absolument pas lâché. Genre, ça l'occupe. Par avec. Elle a dit ça vraiment, je suis un gosse. Oh
booster. Du bruit pour Valouz qui lui aussi est très bien accompagné parce qu'il est avec Michou, mesdames et messieurs. Ouais. Valouz Michou. Hola. T'as vu comment Gotel a essayé de te gratter? Il va faire que ça. Mais moi je vais les aider. Faut, je veux vraiment qu'ils sortent des trucs bien. Elle est là la copine en question de toi. Trouve pas que j'ai pris des pecs, mec? Si si, t'es trop stock. Je pense que je te fume, disons. Ah ouais. Si je te casse la jambe avant, je peux te battre. Faut pas que t'aies de jambe. Et faut que j'ai bien mangé avant. Je suis vraiment trop rapide. On passe à l'épreuve secrète. Gotha Michou. Let's ça go se passe là-bas. Tu vas devoir, mon cher Michou, avec Gotha bien évidemment, constituer un bouquet de fleurs. Tu sais faire? Non, arrête. Je te jure, regarde, t'as tout, t'as les ciseaux, t'as. Là t'as plein de fleurs différentes. Si je reviens et qu'on a plus d'entrée, ce qui est bien, c'est que t'es pas parti sur la même idée tous les deux. Certes, on retrouve ce matelas. Je suis en larmes, les gars, je suis en larmes. Quand je vois les fleuristes, comment ils font, j'ai direct du respire. Gotha a déjà fait mieux. Comment ça, il vient d'arriver, il a pris 3 fleurs dans la main. Moi, je suis uniforme. Franchement, je préfère recevoir ça que ça. Ouais, je suis ma copie là. Gotha, on a besoin de toi là-bas. Et il arrive le dernier, il repart le premier. Est-ce que Trivia fait de la D, attention? Il va pas y avoir une catastrophe. Ça a changé d'ambiance. Tiens, monsieur, là, ça bouge plus là. Bah, vas-y, on fait le test. Non, parce que je sais qu'en fait, c'est si ça bouge encore un peu. Vas-y, Gotha. Vas-y, je ferme les yeux. Allez, on y va, allez. 2, 1. Moi, ça, gros. La vitesse. Bon, les gars, Coco, il a mis la chantilly là, j'ai trop envie de la goûter. Elle est délicieuse. Pendant ce temps-là. Non, mais Gotha et Trivia font que manger, frère. Tout le monde est dissipé là. Un petit plan spécial pour le vlog. Comme ça fait. Vas-y. Voilà. Bah, wesh, tu sais que c'est physique, hein. Ouais, ça va, c'est pas quand tu m'as enlevé le cercle, c'est bien. Chef, allez bien ma balure. Hey. Joli, hein. Bon, les gars, la table est prête. On va la montrer à Doig et Étoile. Regardez ce qu'on a monté avec la petite Élise. Donne Élise, c'est beau, hein. Il faut. Ah ouais. Parfait. Tu préfères là, en face? Dois que t'es en face, toi, là-bas. Pour le petit plan au début où on révèle pas les étoiles tout de suite. L'année dernière, c'était Gotha qui était avec Cam Cam. Forcément, cette année, on voulait me mettre moi un peu plus en avant. Vous vouliez voir avec qui je partage mon quotidien. On serait pas déçu. On m'avait vendu une soirée de fou avec la femme de ma vie. J'ai ramené une chemise. Ah ouais? Chez lui? Mais tu crois qu'on m'avait vendu quoi? Mais moi? Tu crois qu'ils m'ont dit que ça allait être avec toi? On m'a dit soirée, truc gastronomique. Effectivement, l'étoile est avec nous pour goûter. Comment ça a l'air succulent, t'as vu ou pas? Je pensais jamais j'allais faire ça. Le dressage du dessert. Sur son lit citronné. En dessert, pour vous ravir. Pour vous? Ravir. Faut les rendre ravis, quoi. Ouais. Une note sur 10 sur la coupe. C'était du pur kiff pour moi. C'était vrai, on a fait que rigoler. Vous avez mangé aussi. T'as pas faim? En vrai, j'en ai mangé. Ensuite, nous avons un tomahawk de veau sur son lit citronné. Et pour finir, on a une petite touche de cœur nuagé, un petit peu acidulé pour vous ravir. Oh là, quel service. Franchement, on y a mis tout notre amour pour cet épisode. Joli, hein. On n'y mettra jamais autant d'amour qu'entre vous. On était trop beaux. Il est chaud, hein. Vraiment. Ça se voit, t'es minutieux et tout. On a fait une petite contradiction, on a mis du paprika dans notre dessert. Dans notre dessert. Dans le dessert, non? Non, pour de vrai? Tu l'as vu, toi? Moi, j'ai rien vu, moi, derrière, moi. Il va être dégueulasse. J'ai eu 4 goûts différents. Alors, c'est vrai. Oula, il y a un truc qui me pique. Il y a un truc qui me pique. Ouais, du piment. Mais pourquoi il y a du piment? On met du piment. Là, ça te pique la sauce ailleurs? Ça va. Un petit truc qui ça va. Léger. Arif. Franchement, t'exagères. Pas très piquant de base. Arif. Vous voyez comme c'est bon, mais il manque un truc. Bah, je n'ai pas l'expérience, je n'arrive pas à ça. Tu te prends pas un petit genre. La grenade? Non. Non, je ne sais pas, c'est quoi le fruit de la passion. Ils ont oublié le fruit de la passion. Oh, ils avaient oublié le fruit de la passion. Et ils savaient qu'on avait mis le fruit de la passion. Je me suis dit, la recette, elle s'appelle passion. C'est dommage qu'il n'y ait pas de passion. Ils ont tous suivi, hein, nos 4 cuistots du jour. Ils ont tous suivi, on va les inviter à nous rejoindre pour découvrir la note du chat aussi. C'est parti. On arrive après avoir tout entendu. Prêt à défendre. On découvre le résultat de Trivia et Gotaga. 46 38 Ça reste une belle note. Vous avez été dur dans le chat, c'est méchant. Valouz et Michou remportent cette Saint-Valentine. Vous avez tellement respecté, vous m'avez respecté et tout, que maintenant je vais vous respecter, je vous invite tous les deux. Les deux équipes, je vous invite dans mon restaurant et aussi le couple de l'année. Mais j'espère que vous avez apprécié la soirée autant que nous. Pour nous, on s'est bien régalé et rendez-vous dimanche pour de nouvelles aventures. Ciao. Yes. Ciao tout le monde. Bonne Saint-Valentin. Tu sais que je peux même pas te décrire le live, ça s'est passé comment? Je voyais que mon plat. C'est les meilleurs lives, hein, quand vous êtes dedans. Oui, c'est bien. Sachez qu'il a tout fait ce week-end. Il a tout tourné ce week-end. C'est spécialement pour ce soir. Ah ouais. Ils ont tout fait ce week-end. Ils ont tout fait ce week-end. On a été livré ce matin et tout et c'est sorti sur Insta spécialement pour ça. Ouais, c'est impressionnant. Ils vous ont mis 10 sur 10, quoi. Mec, je suis joué.
Mais en même temps, vous vous êtes donné. En fait, c'est bizarre parce que c'est là, apparemment, la coopération, le chef, il a dit que c'était un peu meilleur. Le visuel, c'était meilleur. Mais du coup, le chat a pas noté en mode, oh, c'est la chaîne de Gotha, go Gotha. Moi, c'est l'effet inverse sur ma chaîne. J'ai vu ce que je tire une fois à côté, c'est votre Gotha. Il abuse. Oui, il abuse. Ok, d'accord. Ah, vous êtes beau. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci infiniment, c'est trop lourd. Et à bientôt, du coup, on se voit en restant. Vas-y. Mais regardez ce vrai homme qui pense à tout, il sait que c'est la Saint-Valentin. Ciao frérot. Merci Mimi, j'espère que t'as kiffé. Ciao les gars, j'espère que vous allez kiffer le vlog, passez une bonne semaine. J'espère que vous avez kiffé le live. Moi j'ai adoré, l'équipe Edito a fait un super taf. On le dit pas assez, mais ils sont très forts. C'était beaucoup de travail ce live. Xavier, pour tout le vlog. Merci. Merci, t'as été un bon. Vas-y, bon, on se merci regarde, beaucoup. Oh là là, j'avais pas vu la vidéo. Merde, c'est trop, c'est quoi ça, Elise? Bon la team, c'est la tête de fatigué, il est 2h, quelle heure? Même pas? Ouais c'est ça, 2h du matin, on a fini de tout ranger. Salut mon frérot, étoile, viens conclure le vlog avec nous mon ref. Bravo à tous. Merci Coco pour la like. C'est super, bravo les vlogs. Alex c'est vraiment très fort en vlog. Voilà, merci. Je serai gauche. Bisous, étoile. Pour ces belles paroles, on voulait vous dire qu'un petit au moins de contenu, je crois, dans ce vlog, c'est ça qu'on doit dire, Alex. Il nous a dit Alex doit dire, nous a fait un briefing. J'ai eu la flemme de sortir le message, mais en gros, il y a peut-être un petit peu moins de choses parce qu'on est de retour. Forcément, on doit rattraper un peu notre retard et tout. Donc, c'est pour ça qu'on a peut-être pris un petit peu moins le temps de se filmer. Des fois, on bosse aussi. Bon, bah, pas beaucoup de contenu. On vous aime fort. Bisous. Yo la team, on est en petit comité aujourd'hui. Entre monteurs. Donc aujourd'hui on braque les toilettes. Mais tu n'as plus le choix désormais. Mais j'aime trop l'argent mais je ne peux pas sauter, t'as bien vu en haut de la falaise. J'ai lâché une bombe dans la G-Corp, tout le monde est en train de stresser là. J'ai envie d'exploser de rire déjà. Oh parfait.